Eh bien bonsoir à tous, ici Mick Art Gaming. On se retrouve sur GTA RP. C'est parti. Oh bon, bonsoir aux deux personnes qui sont là, bienvenue à vous. Bonsoir à vous. On a verrouillé la véhicule et on va aller ici. Je vais prendre mon service d'avocat commis d'office. Oh, ça c'est bien. Porte fermée. Allez, c'est parti. Thank you.
Allez, on va ouvrir le véhicule. C'est parti. On éteint le moteur, on descend du véhicule, on le déverrouille, verrouillé. Pardon. On raccroche. Ah, s'il est là. Allô? Oui, allô? Oui, Ouais. monsieur Ross. Oui, je appelais pour, pour vous dire bonjour. Et je viens de prendre mon service. Du coup, je ne sais toujours pas si le procureur m'a mis dans les avocats commis d'office ou pas. Normalement, oui. D'accord, ok, ça marche. J'ai dit, je vais appeler au cas où, on ne sait jamais. Ouais, il y a Jim Anderson, hein, qui arrive, hein, donc. D'accord. Ah, mais 184, c'est un agent du Dodge. Mais de toute façon, oui, renseignez-vous auprès de lui, moi je sais pas du tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je pense que oui, normalement, oui, je pense qu'il a dû vous enregistrer. Hein. Bah, de toute façon, je suis vers le commissariat, je vais demander, on verra. Très bien. Bah, merci. Ça sera avec plaisir. Dans un contexte différent. Oui. Si c'est pour me remettre sur pied, c'est bien aussi. Bon, par contre, je vais pas installer un nouveau. C'est bon, pas besoin d'appuyer 20 fois. Alors, du coup, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah. Il y avait d'autres personnes qui attendaient avant moi. Oui, il y avait un monsieur qui voulait prendre une Ah place. oui, voilà. Voilà. Très bien. Bougez pas. Alors, pour vous. Deux petites secondes, faut que je repasse sur ma radio. Moi, je vais être pris, donc je vais essayer de demander à un agent si. Ah ouais, putain de merde.
Ouais, parce que oui, c'est compliqué parce qu'on est qu'une tango. Bon, je vais essayer quand même, bougez pas. Le problème, c'est qu'ils sont en réunion donc. Non, c'est que là on vient de finir le brief, et là ils partent en réunion. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez du temps. bouge pas du coup, alors. De 03, est-ce qu'un membre de la Tango peut venir au PDP prendre des plaintes et s'occuper des personnes à l'accueil, s'il vous plaît ? Réitérer, Gérard, non, tu... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Y a un monsieur, y a des agents qui vont venir se charger de vous, monsieur, pour la plainte. Derrière, y a quoi ? C'était quoi déjà ? C'était. Ouais, monsieur. Là, je vais demander directement, monsieur. Oui. Monsieur à droite, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Oui, et vous, c'était pour quoi ? C'était pour 22, c'est ça ? C'était pour, oui, 22 ou un haut gradé après. Alors, le problème, c'est que là, ils sont. Non, 22, c'est bien. Ah, mais comment je fais ? Je suis là depuis 40 minutes déjà. Parce qu'il y a même deux personnes qui ont mis des chassés dans la porte devant le commissariat et personne qui est intervenu. Docteur Weckmann. V-E-N-K-M-A-N. K-M-A-N. K-M-M. M comme Michael. Bah non, je comprends bien, bah surtout que c'est pour des éléments d'enquête en fait. Ah bah moi je veux pas non plus. Vous étiez un peu pressé, moi je suis le médecin légiste. Y a pas de souci, de toute façon dites-lui que ça sera rapide. Ok très bien. Les messieurs derrière, est-ce qu'ils peuvent venir également, s'il vous plaît ? Enfin ceux qui sont ensemble. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Attendez, je raccroche et... Ouais, merci. Voilà. J'aurais voulu savoir, avoir des renseignements afin de faire partie de votre équipe. Ah, très bien, eh ben, c'est, vous êtes la bonne personne. Ah, bonsoir, je suis... Alors, attendez juste deux secondes. Mais non, on va s'éloigner un petit oui, peu. Oui, allez-y. Dites-moi. Oui, je me présente, Ross Crane. Je viens pour savoir si le procureur m'a... vous a donné mon numéro, je suis avocat commis d'office. Ok, aussi, il y a des problèmes. Quel est votre nom ? Ross, R-O-S-S. R-O-S-S, monsieur. Crane. Ross Crane. Oui, c'est donc, ça. Maître Ross. Alors. Donc, vous cherchez à savoir si le procureur. Oui, c'est ça. A vos coordonnées. Oui, c'est ça. Qui a, si vous a donné mes coordonnées ou pas du tout. Alors ça, j'en ai aucune idée. Attendez, je vais regarder. Je vais demander renseignement à mon collègue pour que je retrouve le fichier. Oui, allez-y, allez-y. Oui, c'est le monsieur au fond à droite. Monsieur Ross, s'il vous plaît. Ouais, comment dire, il arrive le monsieur. Oula. Ah, oui. Le monsieur pour la plainte arrive. Vous êtes aussi monsieur Ross ? Ah, oui, on est deux monsieur Ross ? Moi je m'appelle Ross Crane.
Ah bah moi c'est John Ross. Ah. Bon bah écoutez, c'est alors lequel que vous avez besoin? L'avocat. Oui. Ah bah c'est lui alors. Alors, monsieur, donc non, ça nous a pas été transmis, je vais m'occuper de le rajouter immédiatement, vous inquiétez pas. Oui. Attendez, ouais. Du coup, monsieur, alors attendez, il va falloir que vous me montrez votre carte d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr. Oula. Désolé. Oh bah, pas de soucis. Faut qu'on fasse un petit peu vite si ça vous dérange pas, je vais bientôt. Oui, partir. Juste, alors, vous savez présenter votre carte d'identité, monsieur? Voilà. Voilà, ah, je l'ai super. Mis. Super. Crane Ross. Donc, c'est votre prénom, c'est Ross. Oui, c'est ça. Il me faut votre numéro. Alors, 19-03-39. Bah c'est très bon, c'est ok, c'est indiqué sur l'annuaire du Speedy et je me... Enfin j'essaie de... Ah voilà, bah on m'appelle justement, le procureur. Oui, allez-y, allez-y. Monsieur Baker, bonsoir. Vous épiez comment, Castelli? I ou Y? Voilà. Donc c'est Tastelli. Ah, c'est un C, j'ai compris T. J'ai compris T. C'est pour ça que j'ai demandé. Tony Castelli. Très bien, bah c'est pris. Non, mais le problème c'est que vous avez pris 3 commis d'office, sachant qu'il y en avait déjà un, il a jamais réussi à taper. Donc 3, je sais pas comment ils vont faire, mais bon, bref. Ouais, non mais voilà. Bah, le problème c'est que, comme j'explique souvent monsieur Benami, c'est simple, les gens gardent à vue, c'est soit ils demandent un avocat qu'ils connaissent, soit ils demandent pas. C'est pas plus compliqué, donc je leur ai dit, bah, c'est compliqué, mais bon, bref. On fera notre maximum. Bon, allez, bonne soirée, monsieur. Baker, faut que j'aille. Allez, c'est bon, c'est ok, j'ai rien découvert, monsieur Proc. Je vous ai dit une bonne soirée. Oui, tu Ross. Oui, voilà, je vous ai dit la confirmation du procureur. Vous êtes inscrit, pas de soucis, je peux vous souhaiter une bonne soirée. D'accord, bah merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bon, je suis enregistré, c'est bon. C'est bon, je suis inscrit dans les avocats commis d'office. J'étais pas encore inscrit, je suis inscrit maintenant.
je reviens. Ouais.
Bonsoir madame. Riviette. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Dites-moi, je peux vous aider? Non, non, je vous ai vu là, j'ai dit bah, je vais passer bonjour à la dame. Je me présente Ross Crane. Ah, enchanté. Avocat commis d'office. Enchanté. Ah ben ça peut servir, hein. Riviette, camarade. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui se passe, Babouchka? Ah, c'est juste un gentil monsieur qui est venu se présenter. Oui, je me présente monsieur, Ross... Monsieur, tout va bien pour vous? Oui, je me présente Ross Crane, avocat commis d'office. Monsieur, t'as parlé, Babouchka? Oui, il s'est présenté, c'est un avocat, et voilà. Bon, ben, nous allons y aller.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir.
J'espère qu'on va être appelé ce soir pour être un avocat, pour faire un métier d'avocat. Désolé.
300 000 euros. J'aimerais bien avoir 300 000 euros à moi. Je vais préparer la gorge tout à l'heure avant d'aller me coucher. Service depuis 50 minutes. Ça fait même pas tout à fait une heure. Ouais, je suis allé au commissariat pour rien là.
Je savais pas qu'on pouvait aller là. Nous les avocats, on a accès à ou pas? Non.
putain, je me suis mis dans un endroit là. Bonsoir monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonsoir, je voulais savoir si vous pouvez me réparer ma voiture de location, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes nouveau en ville ? Oui, oui, je suis. Ça fait quelques semaines que je suis arrivé. Je suis Ross Crane. D'accord, bravo. Vous devriez savoir que les véhicules de location, monsieur, la location gère automatiquement parce que là, si vous faites réparer, ça va vous coûter un bras. Hein. Combien ? Vous avez une quoi ? Bah, attendez, je vais vous dire ça. Ça va coûter une blinde, ça. Je pense que ça va coûter cher. Hein. On a $748 pour la réparation, monsieur, là. Ouais, bah c'est bon, je paye. Vous me faites une facture, s'il vous plaît ? Ok. C'est vous qui l'avez dit, hein ? Oui, 750, y a pas de problème. Ok, donc attendez, hop. Donc vous avez dit Ross ? Ross Crane. Ça fait quelques semaines que je suis arrivé en ville et je suis avocat commis d'office. D'accord, ok. Crane, c'est K-R-E-I-N ? Crane, oui, oui. Ça s'écrit C-R-A-N-E. Ah ouais, d'accord, moi je le voyais pas du tout comme ça. Voilà, ça s'écrit comme ça. Voilà. Alors attendez, je fais le détail de la facture. Allez-y. Voilà, monsieur. Parfait. C'est bon, c'est un PC. Attendez, je vais réparer. Ouais, ouais, sans casser, c'est bon. D'accord. Pépette, qu'est-ce que tu veux ? Non, 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 non. Bonjour. Ça va ou quoi bien ? Attendez, je finis avec la voiture, c'est à vous tout de suite. Ouais, ouais, pas de soucis. Voilà, il y en a pour 4 petites minutes d'attente, le temps que la colle elle sèche et ce sera tout bon. Y'a pas de problème, merci. Voilà. Je vais avoir besoin de renfort là pour la voiture bleue. Je m'occupe. Non, 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 t'inquiète, non, c'est. Je peux pas être partout à la fois là. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ce serait pas le monsieur qui m'a renversé. C'est pas vous qui m'avez renversé il y a 2 jours ? Ah, pas du tout. Non ? Ouais, vous ressemblez drôlement. Il y a 2 jours, j'étais pas en ville, vous voyez. Ah, d'accord, ok. Ça va être compliqué alors. Voilà, c'est votre sosie alors. Hein. Oula, Maggie. T'es en long du monde ce soir? Ouais, bah. Cette heure-là. Salut, John. Salut! Dis donc, t'es. Ouais, ça va, Stan. Dis donc, t'es devenu une hippie ou quoi, toi, la cousine? Devenu quoi? Hippie? Et toujours le lombril à l'air, ce que je vois. Non, parce que j'ai fait des tresses, mais n'importe quoi, c'est pas hippie. Ah mais tu vas choper une gastro. Oh mais n'importe quoi. Laisse mon nombril tranquille. Ah bah.
voilà, c'est bon, t'as toujours... C'est bon, ton BD, ton lecteur, c'est bon ? Bon, attends, je reviens, je vais mal. Nous, on boit pas au bar, on boit ici. Est-ce que c'est bon cette fois ? Bonsoir messieurs.